Yes, everyone, and welcome to my channel. Here we are today again, continuing the series I started, where I am showing you my language level over a 10-year time period. So this is my French 10 years ago. Let's go. Je dois sortir parce que je dois aller dans la rue pour 30 minutes. Tu dois faire quelque chose dans la rue. Ouais, mais de toute façon, je vais aller me coucher, moi. Ah oui, je vais aller me coucher. Pas de problème, mais merci beaucoup pour ton aide et pour le parler. Je l'apprécie. Ok, n'hésite pas à m'appeler pour parler encore, ok? Merci et bonne. Dors bien. C'est correct, dors bien. Ok. À tout à l'heure. I want to say bonne nuit. So I've noticed about 6 errors, and when I say errors, I don't only mean grammatical errors. I'm also speaking about pronunciation. My French wasn't terrible in the sense where it was incomprehensible. Allez, ça va, mon ami? Ça va? Je suis très bien, et toi? Oh, très bien, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Okay, that was a little bit better. I just really noticed one thing when I said je suis bien instead of je vais bien. I think my French from then to now has improved so much. Huge, huge, huge improvement, which is very, very good. And maintenant je vais parler un peu en français, donc voici mon accent français. C'est pas parfait, mais ça va. Et du coup, je parle toujours en français parce que j'habite en France. Et quoi d'autre, je sais pas quoi dire. Mais je crois que j'ai déjà fait quelques vidéos en français, mais pas trop en fait, parce que je n'ai pas fait les vidéos en français, parce que je n'ai pas, avec le français, je n'ai pas de vibes, tu vois. Je sais pas comment dire vibes en fait. Mais quand je parle en anglais, j'ai une sorte d'énergie, et j'aime bien l'énergie que j'ai en anglais, ou peut-être en espagnol, j'aime bien l'énergie. Mais apparemment, quand je parle en français, je n'ai pas cette énergie. C'est un peu plus, c'est sec. C'est comme c'est sec quand je parle en fait. Again, this video serves as a source of encouragement to motivate you to continue learning, continue practicing, because you will improve, and I am testament of that. Anyways, with that said, don't forget to like, leave a comment, et si vous parlez français, bien sûr, laissez-moi un commentaire, share, subscribe, and I'll see you next time. Ciao. Chaque année fleurissent de nouveaux mots. Un récent sondage révèle que 73% des Français... Voilà, il y a air, bof. JSP. C'est quoi JSP? Je sais pas. Être français aux soirées aux États-Unis. Donc premièrement, quand on arrive...